L'intégration RMM PSA nous a permis en fait chez Qetix c'est d'avoir en fait un système global, automatisé, qui permet de, en fait, de faire de la, des services d'infogérance je veux dire, sans couture. Et nous ça nous permet aussi d'avoir en fait une vision globale au niveau du support, du ticketing, de la mise en production, de la gestion du parc utilisateur. Et puis surtout, la notion qui est importante, c'est qu'il y a énormément de produits qui sont liés dans le Datto RMM. C'est notamment la partie déploiement des outils via ces outils-là, la prise en main à distance, et puis notamment aussi la Datto Ransomware qui est encapsulée dans ce produit-là. Qui nous a permis en fait quelque part à Qetix d'avoir en fait une solution globale en un seul produit et puis sur un seul clic on peut tout à fait avoir tout et à gérer notre parc en mode homogène vis-à-vis de nos clients. Donc en fait quelque part on peut gérer avec Datto RMM l'ensemble de nos clients ou des différents clients comme un seul client. Donc ce qui est important c'est dire qu'on peut gérer beaucoup de petites structures comme une seule société en fait finalement à la fin de vous. Alors cette année non, on n'a pas connu des clients cryptoloqués au niveau de nos clients, mais par contre on a des prospects qui ont été cryptoloqués et à partir de là en fait c'est vrai qu'ils nous ont fait appeler et nous avons des outils aujourd'hui quand lorsqu'on déploie les outils notamment Datto RMM avec anti-ransomware. On a la possibilité d'isoler en fait quelque part les postes ou les serveurs qui ont été bloqués pour la production. La deuxième partie sur laquelle on était bien concentré, c'est parce que grâce aux différents outils que nous disposons, notamment le DNS protection, les antivirus, mais surtout la restauration des données via le BDCR, c'est-à-dire que, en fait, ni plus ni moins, c'est le plan de continuité des services. Il faut savoir une chose, l'important dans une entreprise, c'est le plan de continuité des services. En fonction de votre degré de criticité, la partie de données, elle est critique. Et donc, en fait, forcément, soit vous avez intérêt de faire une super bonne sauvegarde, mais vérifier en permanence, soit vous mettez en place soit un plan de continuité de service ou un plan de reprise d'activité. Et le plan de continuité de service, c'est quand même un produit qui permet, si vous avez une criticité pardon, qui dise en moins d'une heure, alors il y a intérêt de mettre en place ce qu'on appelle vraiment ce produit. Et Datto fournit quelque part toutes ces solutions. Alors, important aussi qui est lié, c'est que lorsqu'on allie entre Autotask, Datto et tout ça, c'est sans couture. Tout est remonté dans un même produit. Et c'est ça l'importance, en fait, pour la partie technique, de ne pas souffrir. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de vérifier en permanence. Il faut un technicien pour le support, un technicien pour la supervision, un technicien pour l'antivirus, un technicien. Là, vous avez un technicien, il est capable de tout voir en permanence, tout en même temps. Alors, mais avec BMSP, l'accompagnement, franchement, c'est top. Il faut reconnaître que c'est un des premiers leaders, certainement en France, qui a perçu le marché et surtout qui a su apporter en fait le mouvement. Parce que quelque part, le MSP, elle a toujours existé, j'imagine, dans les pays anglo-saxons. Mais pour la France, en fait, on était démunis. On n'a pas d'outils, on n'a pas personne pour donner en fait le holà d'avance. Et grâce à l'équipe en entière, en fait, quelque part, nous, on a eu la chance d'être parmi les premiers, je pense, d'être accompagnés. Et c'est clair que lorsque soit vous prenez le jeu et vous jouez avec et vous prenez vraiment, vous participez au jeu, c'est clair que la retombée, elle est énorme par rapport à ceux qui disent bon non je prends que par petits bouts, c'est pas forcément la meilleure méthode. BMSP est toujours là, lorsqu'on a besoin il y a toujours un accompagnement, que ce soit technique, que ce soit commerce, que ce soit quelle que soit votre problématique liée à l'informatique, et en tout cas liée à l'infogérance des entreprises, vous pouvez avoir une épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour délivrer en fait, vos services. En fait.
En fait, longtemps, on va dire que on appelle ça un canal historique. Faut dire comme ça. Il faut dire une vérité. Canal historique. Je sais développer. Je suis informaticien. J'ai une bonne maîtrise des technologies. Je suis capable de mettre en œuvre du Najos, des Schinkel, de tout ce que vous voulez. Bien sûr, on est en capacité de tout gérer. Mais soit on est en capacité de dire voilà vis-à-vis l'écosystème, c'est-à-dire que j'embauche les gens, je mets chacun à son poste et dans ce cas-là, j'essaye de faire de son couture. Mais il ne faut pas oublier, c'est une notion humaine. La notion humaine, ce n'est pas la notion machine et ce n'est pas la notion automatisation des outils. Et à partir de ce moment-là, quand on n'a pas cette notion automatisation, l'humain ne peut pas être 100% efficace face à une machine. Donc forcément, il y aura des loupés, il y aura des séquences de problèmes, on aura des séquences de gestion, de manque de valorisation dans son propre valeur ajoutée vis-à-vis du client final. Et donc en fait, à un moment donné, vous êtes rentré dans une logique où je vends des pièces détachées, et tandis que d'autres personnes, ils ont avancé sur une logique plus je veux dire automatisation et surtout orchestration et forfaitaire. Donc en fait, quelque part, on vend en forfait, on vend aussi de la sérénité. Voilà. Du coup, c'est tout bon, merci à toi. Je vous en prie. C'est top en fait.